Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Alors aujourd'hui, on prépare ensemble une crème vanille qu'on va servir dans des tasses de café. Et croyez-moi, grâce à ça, la recette est inratable. Le principe d'abord, c'est de prendre les jaunes, de les mettre dans un saladier avec le sucre impalpable. De ça, on va faire un ruban avec aussi la vanille. Ici, on met de l'extrait de vanille. Et vous allez comprendre pourquoi je mets de l'extrait de vanille et pas des gousses de vanille. Donc une fois que c'est devenu bien blanc et que ça a fait un beau filet comme ça, très bien blanchi, c'est important, bien brillant, on va y rajouter le mascarpone. Hop, et on mélange. Et on mélange de façon à avoir, regardez, quelque chose de bien lisse aussi. Voilà, une fois qu'on a fait ceci, on peut commencer à petite vitesse à incorporer notre crème. Et chose importante, on va passer la préparation à travers une passoire et essayer de trouver la plus fine possible. Raison pour laquelle on n'a pas mis de la vanille, sinon les grains de vanille seraient restés coincés dedans. Avec le siphon, il y a un tout petit orifice ici pour permettre à la mousse de sortir. Il se boucherait avec les grains de vanille ou le sucre en grain. Donc maintenant, on peut passer à travers notre passoire. Regardez, ça c'est très important. On verse dans le siphon. On met notre siphon sur le dessus. Les cartouches comme ceci. Hop. Et à la première résistance, et comme c'est un siphon d'une capacité de 1 litre, on va mettre une deuxième cartouche. Et là, on peut... Pour le dresser, on a choisi de le dresser ici, dans des tasses. Alors, on va mettre dans le fond un petit peu de meringue, ou de biscuit, ou de confiture, par exemple. Libre à vous de faire le montage que vous voulez. On termine ici avec le siphon. Et avec l'aide de votre spatule, vous allez gentiment et proprement fermer et lisser. Et puis on peut terminer encore une fois avec un petit peu de meringue sur le dessus. On a quelque chose ton sur ton qui est tout blanc. Nous, on aimerait recevoir vos idées, vos réalisations en nous rejoignant sur les réseaux sociaux de Martin Bonheur, Facebook et Instagram. Et en attendant, je crois qu'il me reste de quoi en faire encore une dizaine de tasses. Je crois que je vais m'en faire quelques-unes. Bon appétit et à très bientôt.